bitch, I'm on the rail. I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, that hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applauded, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they pull him out. Et bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Planet Coaster, deuxième partie. Par rapport à la. Pourquoi tu cours comme ça, toi? Eh? Pourquoi tu cours comme ça? C'est génial que ce service soit gratuit. Ah, c'est une pisseuse. Les amis, donc nouvelle vidéo sur PC Planet Coaster après avoir vu la zone Far West. Du coup, je ne connais pas vos retours puisque je tourne cette vidéo à la suite. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé et j'ai hâte, vraiment hâte de voir vos retours. Aujourd'hui, on va, comme promis, non pas s'attaquer au feu d'artifice, ce sera encore pour la prochaine vidéo. Par contre, on va s'attaquer à la partie est, à la partie droite du parc d'attractions puisque, je vous rappelle, il y a pas mal de modifications par là-bas, puisque du coup j'ai enlevé, je vous rappelle, le coaster entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça un coaster, bah oui si c'est un coaster, connard, excusez-moi, je suis un peu, alors je vous explique, attendez, petite mise en contexte pour ceux que ça intéresse, il est 23h15, à cette heure-là normalement je dors, à cette heure-là je dors parce que je suis fatigué de mes journées, là je tourne plein de vidéos à l'avance, donc j'ai enlevé l'attraction des motos et j'ai fait autre chose, je vais vous montrer. Donc là, j'ai rien retouché. Ah, les toboggans, oui, oui, vous m'aviez spammé pour mettre des barrières. Donc j'ai mis quelques petites barrières. Parce que, évidemment, les enfants, après, ils meurent. Et bon, après, voilà. Non, je vais dire une dinguerie là. Je vais dire une dinguerie et je vais oublier de couper au montage. Donc je ne vais rien dire. En tout cas, les barrières sont là. Ensuite, le Grand Utopia, il n'y a rien qui a changé là. Les tacos. Et c'est ici que tout change. Alors, on a toujours ici les toilettes et la petite pharmacie, donc dans une ambiance caserne des pompiers. Nous avons une nouvelle place ici, donc avec une petite fontaine différente de celle qui est là-bas. Hein, c'est pas la même. Hein. Là, c'est un peu une type carré, là-bas, c'est une type ronde. Donc avec plein de bancs. Frère, il y a... Mais les fils de... Non, mais c'est pas vrai. Il y a des poubelles juste là. Faites des efforts. Merde, je ne sais pas. Faites des efforts. Donc voilà, pour le moment, c'est vide. Mais nous avons à gauche quelque chose. Vous avez très bien compris ce que ça va être. Et à droite. De toute façon, je suis con parce que c'est le titre de la vidéo. Donc vous savez très bien ce que c'est à gauche. Et à droite, du karting. Du karting. Et je suis très, très, très content. Un train fantôme, comme je l'appelle en tant que amateur. Moi, j'appelle ça un train fantôme. Et je sais que vous appelez ça... Dark Ride. Et là, je suis dans l'idée de faire un labyrinthe, mais en vrai de vrai, ça prend tellement de temps à faire ça, je suis dégoûté. Et du coup, j'ai la flemme et je pense que je vais enlever et je vais faire autre chose. Je sais pas. L'idée est bonne, le labyrinthe est très bon en plus. Mais en vrai, déjà, il n'y a personne qui va y aller. En plus de ça, et mettre là les sculptures végétales, frère, ça me prend la tête. Regardez le karting comme c'est beau. Alors... J'ai remis les véhicules de police, tout ça, comme je l'avais fait donc quand il y avait les motos de police, justement. Je vais vous mettre de nuit, voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est sympa. Alors, Fast and Furious, bien sûr, parce que je suis un grand fan, et donc forcément, ça me fait penser à ça. Donc, regardez de nuit, je vous montre. Donc, ça fait un petit... en fait, c'est une zone karting, quoi. On se croirait plus dans un parc d'attractions, c'est vraiment une zone full karting, tout simplement, avec des haut-parleurs, de la musique. Yo, yo. Voilà, avec des lumières un petit peu partout de différentes couleurs. Le circuit bien sympa. J'aime bien parce que tout ce que je dis c'est sympa. Tout ce que j'ai fait c'est sympa, donc je m'auto-sus. Donc l'entrée elle est par ici. Donc voilà, petit Z pour la file d'attente. Avec bien sûr toujours la sécurité. Les kartings vont dans ce sens. Donc les visiteurs sont à côté. Bon après ça reste du karting, hein, c'est pas de la Formule 1. Hein, donc il n'y a pas de danger primaire. Il y a assez de sécurité, mais c'est surtout tu les vois venir, tu vois. On n'est pas en sens inverse. De même pour là. La sortie, les véhicules passent par là, donc t'es toujours dans le sens à voir les véhicules arriver, tu vois ce que je veux dire. Avec des véhicules de Formule 1 juste ici, que j'ai chopé sur le workshop. Voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. C'est sur le workshop, c'est assez facile à trouver de toute façon. La petite, regardez la flèche, je me suis fait plaisir là. J'ai voulu faire noir et blanc comme Fast and Furious. Voilà, donc je vous montre un petit peu le comment c'est fait. Tout simplement le karting, donc voilà, le circuit, comment il est très simple. Mais en même temps très bien parce que il a les petites courbes, les passages assez sympas qui permet voilà, de rattraper les autres, de doubler. Je suis
Je suis devenu fan de karting, je vais vous le dire en ce moment, mais c'est dommage que ça coûte cher dans la vraie vie, mais... Enfin, ça coûte cher, ouais, si, quand même. Mais genre, voilà, je suis quand même relativement inspiré de certaines choses, et donc ça rend un truc pas trop mal. Donc voilà, et puis c'est juste à côté du parking, donc des backstage aussi ici, donc ce qui permet, voilà, s'il y a un problème avec les cartes et tout, voilà, on peut faire des trucs, enfin, on peut s'imaginer plein de belles choses. C'est génial, hein, regardez-les. C'est toujours la voiture rouge qui est en premier, je trouve ça fou. Alors je sais qu'il y a un easter egg, on peut conduire des kartings, j'ai vu ça sur YouTube, des tutos, on peut conduire les kartings. Mais apparemment c'est dégueulasse, la maniabilité. Oh, la voiture jaune qui passe devant, incroyable! Oh, bah il est content, il a bien raison. Donc voilà pour le karting, si vous avez des idées de déco, n'hésitez pas. Après faut pas trop en faire non plus, hein, mais n'hésitez pas à me dire. Un truc que j'ai oublié de vous dire dans la dernière vidéo, vous l'avez peut-être vu, c'est les sens interdits là, j'en ai mis partout. J'en ai mis là et j'en ai mis à chaque attraction où il y a la sortie un petit peu loin. C'est-à-dire que là par exemple, j'en ai pas mis parce que la sortie est juste là. Il y a personne qui va, enfin ça se voit, tu vois. On sait que c'est il y a pas à passer là, on le sait. Alors que pour autant, par exemple ici, voilà, là tu vois les escaliers, tu te demandes où c'est que ça mène. Bon bah voilà, là il y a le sens interdit, tu sais que c'est la sortie, t'as pas à passer par là. Donc voilà, j'ai fait ça un petit peu partout, là il y a un sens interdit. Je vous montre parce que je vous l'avais pas montré. Donc voilà, un sens interdit ici. Je pourrais, ah oui j'en ai pas mis là. Attendez, je vais le faire en direct. Je vais le faire en direct avec vous, mais c'est vrai que là il faudrait en mettre un parce que ça risque de poser problème. Donc là tout simplement, hop, et voilà. Donc pareil, j'en ai mis bah d'ailleurs c'est vrai, je vous ai pas montré, mais la sortie de cette attraction là se relie à la sortie de celle là. Voilà. C'est vraiment nul à chier ce que je suis en train de vous montrer, mais c'est génial. Donc voilà, j'en ai mis vraiment un petit peu partout. Le Dark Ride, on s'en occupe, donc le train fantôme. Je suis assez content. Alors je vous l'ai dit, hein, là il est 23h21, je sens que je vais pas réussir à dormir avec ces conneries parce que c'est plutôt pas mal, voilà. Alors c'est pas fini l'extérieur, c'est pas, voilà, si vous avez des idées je suis preneur, mais pour ce qui est de l'intérieur c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer, je vais me taire, je vais surtout vous laisser avec l'ambiance sonore parce que j'ai vraiment, voilà, je me suis un petit peu amusé. On est parti les gars, n'oubliez pas le pouce bleu et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Tous les passionnés de Dark Ride, c'est à vous. Alors voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer l'envers du décor. Je vais vous montrer avec de la lumière, etc. Juste petite parenthèse. Ah par contre je ne savais pas que ça passait à travers l'électricité. Ah c'est dommage, putain le con, j'avais jamais vu ça. C'est dommage. Juste un petit truc, je suis content.
Je suis content avec le recul. C'est pas parfait, il y a des endroits où on pourrait encore faire des choses et modifier. Mais je suis content avec le recul de voir ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me fait penser à des trains fantômes dans les fêtes foraines. Il me manque juste. Tu sais, genre vraiment, pour faire comme en fête foraine, il faut que ce soit un peu plus compact et que ce soit sur deux étages. Mais là, en l'occurrence, c'est un parc d'attractions et je suis vraiment content de comment ça rend. Surtout que. Les ambiances sonores, on les entend. Vous voyez, quand on était ici, on entendait ce qui se passait à l'intérieur. Et moi, j'ai vu sur YouTube des coaster fans. Non, pardon. Non, excusez-moi. Mais je veux dire, des gars qui disaient, ouais, il faut faire en sorte de séparer les salles de sorte à ce qu'on n'entende pas ce qui se passe dans les autres. Mais en fait, dans la vraie vie, si vous faites attention, enfin, je sais pas, hein, dans la vraie vie, y a pas, les sons ne sont pas coupés de salle en salle. On entend ce qui se passe à l'intérieur et d'ailleurs, c'est ce qui donne envie. Quand tu entends gueuler à l'intérieur, tu sais que c'est plutôt pas mal. Donc, je suis vraiment content parce que ça rend le truc très RP. Et pour autant, bah, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très vide en soi. Alors, j'allume la lumière. Donc là, ici, c'est très vide. Il y a juste les lumières ici qui clignotent. Donc avec la lumière, attendez, ça enlève un petit peu de charme forcément. Là vous avez très bien compris les lumières qui s'allument, etc. La cheminée, là il y a les haut-parleurs pour tout ce qui est ambiance sonore. Et là j'ai mis en fait des rideaux, tout simplement parce que là, bah voilà, là où il y a le screamer là, avec les lumières, tout ça, bah quand il y a le s'il y a un train qui arrive ici, là, comment on appelle ça, bref, tu m'as compris, s'il y en a un qui arrive là, bah t'es spoilé, tu vois. Et du coup les rideaux font en sorte que tu ne sois pas spoilé, et donc ça c'est vraiment top. Et voilà, c'est le seul truc que j'ai fait de séparation entre guillemets. Et puis voilà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est relativement vide, tout de suite moins charmant. Mais quand on est dedans, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc là pareil, il y a un haut-parleur. Enfin voilà, pas mal d'automation, on dirait pas comme ça. Mais voilà, on pourra toujours rajouter des choses. Pas non plus trop en faire, sinon c'est nul. Mais voilà, je suis assez content. Donc vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Et voilà, tout simplement. Alors, c'est un choix. Si on voit pas les rails, on peut s'imaginer plein de choses de manière RP. Ça pourrait très bien être un câble électrique en l'air ou j'en ai pas la moindre idée parce que là, certains pourront dire, bah oui, mais c'est pas logique sur quoi il roule. On peut très bien s'imaginer que c'est un truc automatisé qui roule sur une, comment dire, sur une direction spécifique. Mais c'est un choix parce que si je faisais ça, hop, je pouvais très bien faire ça. Bah, du coup, c'est nul en fait. Genre, j'aime pas du tout. Genre, du coup, c'est clair, tu sais où c'est que tu roules, quoi. Genre, tu vois où c'est que tu vas. Alors que là, c'est, tu te dis oula, où c'est qu'on m'embarque, où c'est qu'on m'embarque. Donc voilà, j'aime bien l'idée. Et j'ai hâte encore une fois de vous lire. Donc voilà pour ça, le Dark Ride. Sachez que j'avais réfléchi pour faire un hôtel ici. Ce serait l'endroit idéal pour faire un hôtel à la place du labyrinthe. Pourquoi? Alors certes, on a le train fantôme ici, c'est un peu. Voilà, bon, l'hôtel serait un peu reculé, il serait là, tu vois. Mais en fait, l'hôtel, il est vraiment en marge du parc. Il est dans le parc, mais il est en marge du parc, ce qui est juste parfait. Donc il n'y aura pas trop de bruit par ici, si ce n'est le circuit automobile, en tout cas le karting. Ce qui fait qu'aussi, le karting, c'est un peu un truc à part d'un parc d'attractions, je trouve. Et c'est juste parfait parce que le mec, t'es à l'hôtel et à tout moment, tu peux aller faire un petit tour de karting, c'est juste à côté. Il n'y a pas trop de bruit non plus. Donc ici, c'est l'endroit parfait pour faire un hôtel. Il y a toute la place idéale pour faire du végétal, etc. Et à aucun autre endroit on pourrait mettre un hôtel en vrai. C'est vraiment l'endroit idéal, je pense que vous serez d'accord avec moi. La place ici peut être très jolie en plus. Le seul problème, c'est que je ne sais pas construire d'hôtel. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas construire d'hôtel. Faire des petits cabanons, je sais faire. Des petits buildings, vous voyez, ça va, mais c'est même pas un vrai building ce truc, mais bon, voilà. Mais alors faire un grand truc comme un vrai hôtel, ça j'arriverai pas. Et le seul truc que je pourrais faire, c'est de choper sur le workshop ou de récupérer directement là dans boutique et service et dans plan et de prendre un hôtel préfet. Mais c'est tellement dommage, je trouve. Après, je pourrais très bien retaffer un hôtel, le modifier, le customiser, mais j'ai un petit peu peur. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, s'il n'y a pas d'hôtel dans mon parc, c'est pas bien grave. Le parc est pas immense. Enfin, ouais, si en soi, le parc est immense. Le parc est très grand, mais en une journée, tu peux tout faire. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'hôtel. Je sais pas. Vous me dites en commentaire dans cette vidéo, est-ce que je mets un hôtel? Et si oui, est-ce que j'utilise un qui est préfet et je peux le modifier, etc. Parce que je me vois vraiment pas construire un hôtel. Je me vois pas non plus faire un concours abonné ou dans lequel il y aura juste deux participants qui vont construire un hôtel. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je sais pas. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense que j'ai fait le tour. Prochaine vidéo, les gars, je vous montre le feu d'artifice. Ce sera une vidéo beaucoup plus courte, mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que vous avez kiffé.
Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Voilà. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.